Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabrielle Ruiz, la présidente de Marie d'Accueil. Je suis très heureuse d'introduire cette conférence organisée par Marie d'Accueil Pro sur comment optimiser son potentiel grâce à son mental. Si j'en crois le nombre de personnes connectées qui vont probablement encore se connecter ce soir, ce sujet semble susciter un très vif intérêt. Bravo donc à Karine et Nathalie pour la pertinence de leur proposition. Bienvenue donc à tous depuis Madrid, bienvenue à nos adhérents et membres de la communauté business et institutionnelle de Madrid et d'Espagne. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent depuis les quatre coins du monde. J'ai vu passer Los Angeles, Mexico, Stockholm, Berlin, Paris, je pense que j'en oublie. Un immense merci donc à la FIAF et à Corinne, si elle est déjà connectée, donc sa présidente. Merci d'avoir relayé l'info auprès de notre formidable réseau, celui qu'on appelle notre formidable réseau. Voilà. Je vous propose d'ailleurs, si vous voulez, dans le fil de discussion, de signaler la ville depuis laquelle vous vous connectez. Ça sera notre façon à nous, en ces temps un peu difficiles, de voyager, même si ce n'est que virtuel. Voilà. Je passe la parole à Nathalie qui va vous introduire bien entendu le sujet et nos intervenants, André et Amélie. Très bonne soirée, très bon moment à tous, très bonne conférence. Merci. Merci donc Gabrielle, et donc sans plus tarder je vais vous présenter nos deux intervenants ce soir, donc Amélie Cazé et André Pisani. Donc quelques mots à propos de chacun pour que vous les connaissiez un peu mieux avant de démarrer. Amélie, je me tourne d'abord vers toi et je vais commencer par citer cinq sports. Escrime, natation, équitation, tir au pistolet et course à pied. Ce sont les sports qui composent le pentathlon moderne que tu as pratiqué à haut niveau et avec succès. En 2007 à Berlin, tu deviens la première Française championne du monde pour cette discipline. Après cette victoire, tu cumules trois autres titres et tu participes aussi à trois Olympiades. S'entraîner, se motiver, se dépasser, réussir, échouer, recommencer, gagner. Tu as vécu de nombreux moments intenses pour lesquels le mot d'ordre a toujours été de se préparer. Aujourd'hui, tu mets à profit ton expérience pour accompagner des athlètes grâce à une double casquette. Tu es coach spécialisé dans le monde du sport, où tu suis en particulier l'équipe de France dames de golf, mais aussi des entraîneurs. Tu travailles également au Comité national olympique et sportif français en tant que responsable du suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau. Ton credo, c'est action plus émotion plus communication égale performance. André, quelques mots à propos de toi. Pendant plus de 20 ans, tu as été militaire. Si durant ces années, tu développes le goût de l'action, le sens de la mission et la mise en œuvre de décisions, tu comprends aussi que dans cet univers, et en particulier sur les théâtres d'opération, savoir gérer son mental est, si j'ose dire, fondamental. Instructeur spécialisé du Centre national d'entraînement des commandos et aussi au Centre national des sports de la défense, c'est donc au sein de l'armée que tu commences à former des centaines de personnes, qu'elles soient jeunes engagées ou membres des forces spéciales, au top, les techniques d'optimisation du potentiel. Il y a 2 ans, tu fondes ton organisme de formation et de conseil pour permettre au plus grand nombre, qu'ils soient cadres d'entreprise, conducteurs de train, personnel soignant, d'accéder à ces techniques. Ton credo à toi, c'est « grâce au top, on peut devenir la meilleure version de soi-même ». Vous êtes donc tous les deux des spécialistes des stratégies mentales qui permettent de mieux se mobiliser. Donc au nom de Madrid Accueil Pro, merci infiniment d'être avec nous tous ce soir. Vous allez nous expliquer ce que sont les TOP, donc ces techniques d'optimisation du potentiel, qui ont été créées en 1990 par la médecine militaire au sein des forces armées. Vous allez nous donner des exemples que vous avez vécus, ou des exemples des personnes que vous accompagnez. Et vous allez surtout nous montrer comment chacun de nous pouvons utiliser ces techniques dans notre vie quotidienne, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel. Avant de vous laisser la parole, juste quelques détails logistiques pour les personnes qui sont avec nous ce soir. Donc, notre soirée va s'organiser en 2 temps. Il y aura un premier temps d'échange entre Amélie et André, une partie pendant laquelle n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie conversée, dans le menu conversé du Zoom.
Parce qu'après cette première partie d'environ 45 minutes, Karine, avec qui je co-anime cette conférence, sera votre porte-parole pour poser vos questions à nos intervenants. Vos micros restent donc éteints, mais gardez vos vidéos allumées pour qu'on ait presque l'impression d'être ensemble ce soir. Mais nous sommes ensemble ce soir. Donc, je vais passer la parole à Amélie et André. Amélie et André, vous avez choisi de répondre à deux questions ce soir. La première est comment trouver l'énergie devant une charge de travail très forte? La deuxième, c'est comment se préparer à réussir face à une situation complexe. Donc, si on commence par la première question, André, je me tourne vers toi. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour absorber une forte charge de travail, le mieux, c'est de dormir. Bonsoir à toutes et tous. Ben, écoute, Nathalie, pour prendre sur cette première question, en fait, on remarque que notre société demande de plus en plus de polyvalence, de disponibilité et d'adaptation, chose pour laquelle nous sommes plutôt bien adaptés. Mais en même temps, nos modes de vie hyper connectés, H24, 7 sur 7, qu'on soit maison, travail, vacances, c'est de plus en plus compliqué de séparer un petit peu les différents rythmes. Et donc, pour absorber cette charge de travail, on va dire grandissante, il y a deux possibilités qui nous sont offertes. La première, c'est évidemment d'avoir un changement au niveau de la structure, par une meilleure organisation, déléguer évidemment certaines tâches, avoir du matériel plus performant. Mais tout ça, ce sont des facteurs qui sont plutôt externes. Et la deuxième possibilité, ça va être les changements qui sont plutôt sur ce qui est au niveau de la perception, donc qui va être basé sur l'accueil et la gestion des événements. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour nous parce que ça dépend de nous. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'articuler. Et ce changement de perception, c'est le credo, on va dire, des techniques d'optimisation du potentiel. Et il y a une phrase, moi, qui me parle beaucoup, que j'utilise souvent, une citation de Montaigne, qui dit « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint ». Et là, il y a déjà tout, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant la situation qui est importante, c'est surtout de comment on va capter cette situation-là. Et donc, le fait de dormir, pourquoi on vient sur cet axe-là? Parce qu'en top, on travaille beaucoup avec le sommeil, parce qu'en fait, c'est un élément fondamental de notre santé physique et mentale. Il faut savoir qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Ça veut dire qu'il y a à peu près 27 ans de votre vie que vous passez dans votre lit, si on prend sous forme générale. Alors, pour certains, ça peut représenter une perte de temps. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est que si le sommeil existe, c'est que c'est un besoin fondamental pour nous. Et c'est un petit peu voir ça comme un investissement. C'est ce tiers-là, si je l'investis d'une façon correcte, en fait, c'est grâce à lui que je peux profiter de mes deux tiers d'éveil. Et quand on cherche à être performant ou tout simplement à être bien éveillé et efficace sur ce qu'on est éveillé, ben justement, il faut prendre du temps pour un petit peu prendre soin de ce sommeil-là. Je pense que tout le monde a dû remarquer déjà dans sa vie les perturbations liées au sommeil. Lorsqu'on manque de quelques heures, voire de beaucoup d'heures de sommeil, entre les changements d'humeur, l'irritabilité, les décisions qui sont inadaptées. Il peut y avoir aussi tout ce qui est au niveau des tensions musculaires. Et malheureusement, quelque chose qui est un petit peu plus d'actualité dans nos sociétés contemporaines, tout ce qui est lié au burn-out ou aussi le risque accru de post-trauma suite à des événements. Donc tout ça, le sommeil a une influence énorme là-dessus. Et donc mieux gérer son sommeil, c'est mieux gérer son quotidien et faire face à ce qu'on appelle le jet lag social. Donc, c'est quoi cette formule-là de jet lag social? C'est en fait la désynchronisation entre nos besoins naturels et notre mode de vie. Et nous, ce qu'on va chercher justement, c'est à resynchroniser un petit peu tout ça. Et donc, pour pouvoir se resynchroniser, il faut connaître un petit peu plus le sommeil. Et c'est quelques caractéristiques. Et donc, pour ça, je vais vous montrer juste quelques slides que je vais partager avec vous.
voilà, que vous avez à l'écran. Et on va parler de choses qui sont assez intéressantes sur ce qu'on appelle les portes du sommeil. Donc, c'est de pouvoir identifier que pour notre sommeil, il y a déjà des zones qui sont facilitées, des créneaux horaires, on va dire, où on a très peu d'efforts à fournir pour s'endormir. Donc, ça va être de 23h à 3h du matin, un petit rebond de 5 à 7 heures le matin, et le fameux coup de pompe, le coup de barre qu'on a sur l'après-repas, qui n'est pas juste lié au fait qu'on ait mangé et à la digestion, mais qui correspond vraiment à ce qu'on appelle dans le cycle circadien, un pic d'hypovigilance qui facilite le sommeil. Donc ça, c'est déjà trois zones ciblées où normalement on est fait pour dormir dans ces créneaux-là, sans que ça nous coûte trop d'efforts. Mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'on a des zones qu'on appelle de sommeil interdit. Donc, je parle évidemment là, à chaque fois, de cas généraux, de gens qui travaillent la journée et qui ont un sommeil normalement de 23h à 7h du matin. Donc, ces phases de sommeil interdit, c'est-à-dire que dans ces plages horaires-là que vous voyez, de 10 à 11h le matin et de 20h à 22h le soir, on va éviter de faire des phases de sommeil, puisque sinon ça va pouvoir venir perturber mon sommeil de la nuit à venir. Ça va entraîner du décalage parce que là, du coup, j'aurais réduit la pression de sommeil. Et ce qui fait qu'on dorme bien et qu'on s'endorme rapidement le soir quand on se couche, c'est qu'on a une pression de sommeil qui soit suffisante. Donc si jamais j'ai fait trop de récupération dans ma journée, on en parlera tout à l'heure notamment avec les siestes, ben, en fait ça peut venir perturber mon sommeil de la nuit. Et on va avoir une zone d'éveil interdite. C'est le fameux créneau de 3 à 5 heures du matin, où là, en général, quand on se réveille dans cette tranche-là, c'est un petit peu plus difficile de se rendormir. Pour quelle raison? Très rapidement, c'est qu'en fait, vous vous êtes couché, on va dire, aux alentours de 22-23 heures, et votre corps a déjà eu sa charge de récupération physique avec ce qu'on appelle les premiers trains de sommeil. Donc, en fait, lui, il est prêt à repartir. Le corps, il dit, c'est bon, moi, j'ai rechargé, je peux y aller. Sauf qu'il nous manque encore toute la phase de récupération grâce au sommeil paradoxal qui, lui, est plus basé sur la récupération, on va dire, psychologique. Donc, ça, ce sont voilà, les portes qui sont identifiées sur les zones de sommeil, d'éveil possibles. Donc là, sur la slide qui suit, là, vous pouvez observer qu'il y a ce qu'on appelle l'organisation circadienne de la vigilance. Circadienne, c'est pour dire qu'elle se déroule sur un cycle de 24 heures. Et donc là, vous pouvez regarder sur la courbe qu'à partir du moment où vous allez vous lever le matin, donc tout à votre gauche de l'écran, vous allez avoir le cycle, ça fait des montagnes russes, et vous retrouvez à 14 heures, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pic d'hypovigilance. Et à l'inverse, les deux pics que l'on a d'hypervigilance, donc le premier en vert, celui-là est plutôt favorable à tout ce qui est prise de décision, raisonnement, qui va être plutôt sur les fonctions cognitives, alors que le deuxième pic, qui arrive sur la fin de journée, il est plutôt sur tout ce qui va être au niveau du physique, puisque là, la température du corps est haute, ça fait un certain moment que je suis éveillé, que tous mes muscles, mes articulations, etc., que je suis debout depuis un certain temps. Donc tout ce qui est lié au physique, temps de réaction, adresse, performance sportive, va plutôt être intéressante sur la fin de journée. Évidemment, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être performant en début de journée, etc. C'est juste là, c'est naturellement. Et tout l'objectif pour nous, c'est de réussir à s'adapter lorsqu'on n'est pas sur les créneaux physiologiques prévus pour performer sur ces temps-là. Et à cette courbe donc on vient de voir avec les deux premiers pics, on va avoir ce qu'on appelle la courbe de performance. Et elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est liée à mon heure d'éveil. Ça veut dire que là, si on prend le début de la courbe à peu près à 7 heures du matin, vous voyez que de 7 heures à en gros midi, je ne cesse d'augmenter sur cette courbe de performance. C'est-à-dire que là, mon corps est en train de s'éveiller, toutes mes fonctions, mes organes se mettent en route, il y a certaines hormones qui sont sécrétées à ces moments-là et qui vont faire que ça va me booster, ça va me dynamiser pour démarrer ma journée. Sauf qu'à partir de midi, en gros, là, ça va décliner tout au long de la journée. Ça, c'est ma courbe de performance en ne faisant rien de particulier. Donc, je me lève, je suis ma journée, forcément, je vais décroître. En fait, il faut compter que vous avez 4 heures après votre éveil où vous allez monter, on va dire, en performance. Et après ces 4 heures-là, vous allez décroître. Évidemment, on va pouvoir venir un petit peu casser l'effet là
en fonction des contre-mesures qu'on va pouvoir appliquer si on veut rester performant. Donc, vous voyez que cette courbe rouge, en fait, on peut la faire coïncider plus ou moins avec le pic que je peux rechercher à un certain moment de la journée ou par quelques actions très précises qui vont venir limiter un petit peu ces effets-là. Donc, des fois, les courbes, là, si on regarde le pic au niveau vert, c'est super parce qu'elles sont les deux au haut niveau en même temps. Donc là, je vais avoir un grand niveau de rendement. Et à l'inverse, vous voyez qu'à 14 heures, la courbe rouge de performance vient un petit peu limiter les effets de mon creux au niveau du rythme circadien. Et que sur les alentours de 16 heures, c'est bien parce que je suis encore à un niveau acceptable et ma courbe circadienne est en train de remonter. Donc voilà, ça après, c'est tout un jeu qu'on va avoir pour jongler, on va dire, entre les différentes courbes. Donc voilà pour ce premier petit point sur ces slides. Donc, ce qui est important, et moi que j'ai eu l'occasion de pratiquer très régulièrement, notamment pendant mes stages commando, où vous vous doutez bien qu'on est un petit peu dans le dur de temps en temps, c'est d'expérimenter la sieste. Et la sieste, je ne parle pas de la sieste où on tombe de fatigue et on se couche. Je parle vraiment de la sieste comme un acte essentiel du combattant qui souhaite maintenir ses capacités physiques et ses capacités cognitives. Parce que vous vous doutez bien que entre manipulation d'explosifs, conduite de nuit, des activités où on va faire du tir, c'est autant de situations où la fatigue elle peut être fatale. Donc, je dois mettre en place des contre-mesures efficaces pour me permettre, au moment où je dois être en optimum, on va dire, que je puisse être. Et donc, pour ça, on utilise quatre types de siestes. On a ce qu'on appelle la sieste de 20 minutes, qui est une sieste qui va nous permettre d'être dans un certain sommeil qui nous permet de recharger, on va dire, pour 3-4 heures de vigilance haute, juste avec 20 minutes. Donc ça, c'est très important, parce qu'on voit que sur un temps très court, je peux obtenir une efficacité sur un temps beaucoup plus long. On va voir ce qu'on appelle les siestes longues, qui en général correspondent à un cycle de sommeil, donc en gros une heure et demie. Mais ça, c'est plutôt quand on a déjà une grosse dette de sommeil, voire une nuit blanche. Donc là, on va faire une sieste qui est importante. Le troisième type de sieste qu'on va avoir, c'est la micro-sieste. Donc elle, c'est un petit boost. C'est 5 minutes, par exemple, où on va non pas recharger physiquement, mais on va recharger mentalement. Donc ça va permettre un petit peu de nettoyer au niveau du cerveau, de façon à retrouver la lucidité nécessaire pour la prise de décision. Et ensuite, la sieste caféinée. Donc, pour les gens qui sont sensibles à la caféine, parce qu'il y a à peu près 10% de la population qui n'a pas les récepteurs de la caféine, donc les gens qui sont sensibles à la caféine, c'est je prends un café et je fais ma sieste de 20 minutes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir donc l'effet de votre récupération de 20 minutes liée à votre sieste. Et au bout de 20 minutes, vous commencez à avoir les effets de la caféine, qui a un effet dynamisant, qui va venir avoir le double effet qui se coule, c'est-à-dire non seulement vous avez fait votre récup en sieste, et en plus maintenant, il y a la caféine qui vient vous réactiver. Donc ça, c'est intéressant aussi à pouvoir utiliser. Et je vais terminer avec quatre synchroniseurs qu'on a par rapport au sommeil. C'est ce qu'on appelle des somnicaments. Donc, vous connaissez peut-être pour les aliments bons pour la santé qu'on appelle alicaments. Mais là, c'est pareil, c'est des éléments qui sont bons pour le sommeil, c'est les somnicaments. Et vous avez celui qui est le plus important, c'est la lumière. Et c'est bien sûr ce qu'il y a à tous nos écrans d'aujourd'hui, notamment avec les LED qui sont de la lumière bleutée. Et cette lumière bleue, elle vient couper la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui est déclenchée à peu près à compter de 21 heures. Donc, tout le temps que vous passez en soirée devant vos écrans, et encore plus la télé, moins que le portable, enfin que l'ordinateur portable, et encore moins que le téléphone. Le téléphone, c'est le pire, parce qu'il y a la proximité. Ça vient casser cet effet de la mélatonine. Donc, on décale comme ça notre sommeil. Donc, la lumière, c'est le plus important, du jour et des écrans. On va avoir tout ce qui est lié à l'alimentation, le fait de manger plutôt sucré, plutôt des protéines, de la viande le soir, etc. Il y a des aliments qui sont des excitants et d'autres au contraire qui vont avoir des effets calmants. Vous allez avoir l'activité physique. Donc, si vous faites une activité trop intense, proche de votre heure de coucher, c'est-à-dire 2-3 heures avant, vous allez aussi perturber votre sommeil à venir. Donc, on peut faire du sport
peu de temps avant de se coucher, mais à condition d'avoir une allure modérée. Et le dernier synchroniseur, c'est les activités sociales. Donc, on a besoin d'être en lien. On le comprend très bien à travers la période qu'on traverse, de se rendre que finalement, communiquer ensemble et avoir du contact et des rapports sociaux, c'est important. Et ça fait partie aussi de ce qui va me permettre non seulement d'absorber mon quotidien, parce qu'il y a ce côté de cohésion, de fédération, de partage qui va venir se lier à tout ça. Donc, tous ces éléments-là, vous voyez que c'est autant de leviers qu'on peut avoir pour se paramétrer et essayer de gérer au mieux les activités de notre quotidien. Et donc, je laisse la parole à Amélie qui va venir un petit peu vous illustrer ces différents sujets que je viens d'aborder. Merci André, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être connectés et de venir nous écouter, c'est un plaisir de partager. Moi j'ai fait des tops sans le savoir en fait, j'ai découvert les tops grâce à André il y a 3 ans, je me suis formée, donc aujourd'hui je suis praticienne top, c'est les niveaux, différents niveaux qui existent pour enseigner les tops, donc je suis au 2e niveau. Et donc avant tout ça, j'étais effectivement sportive de haut niveau en pentathlon moderne et j'ai eu un parcours assez long puisque j'en ai pratiqué pendant 20 ans. Et ce qui a été une révélation pour moi, post-carrière et tous ces éléments, j'aurais aimé les savoir un peu plus théoriques pendant ma carrière, mais finalement quand je la regarde, il y a beaucoup de choses qui ont fait sens et je pense que pour répondre un peu à la question que tu avais posée en entrée, Nathalie, sur le changement et ce qu'avait ajouté André sur le changement au niveau de la perception, avec la citation de Montaigne, et qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Donc, à penser qu'on va souffrir, on souffre déjà. En fait, on va souffrir 2 fois. J'aime bien cette notion de perception des choses. Et effectivement, le sommeil est pour moi, encore aujourd'hui, et encore plus dans le sport de haut niveau, parce qu'on nous demande d'être à la pointe de nos capacités physiques, mentales, techniques, à chaque compétition, mais aussi à chaque entraînement. Et donc, l'importance du sommeil et surtout son manque de sommeil, c'est tout ce qui est manque de perception. Et quand je dis que je faisais des tops sans le savoir, c'est déjà la gestion de mes heures de coucher et de sommeil. J'ai toujours été une ayatollah de me coucher assez tôt ou en tout cas dès que j'avais les premiers signes de fatigue. Et ce qui vient illustrer le fait qu'on ne récupère pas de la même façon quand on se couche, ou en tout cas je ne récupérais pas de la même façon quand je me couchais à 22h ou quand j'allais me coucher un peu plus tard en me disant je vais faire une grasse mat le dimanche matin pour récupérer de tout ça. Et pour venir préciser ce que disait André, c'est que le niveau, la qualité du sommeil n'est pas le même en début et en fin de nuit. Et la récupération physique, qui est donc très importante pour les sportifs de haut niveau, se passe en début de nuit. Et donc, l'importance de se coucher tôt ou en tout cas sur les premiers signes de fatigue et ne pas vouloir forcément récupérer par une grasse mat le lendemain parce qu'on ne récupère pas de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté et ce que j'ai expérimenté aussi en tant que sportive de haut niveau sur des journées de pentathlon. Il faut savoir quand la compétition démarre, à mon époque, puisque ça a changé un peu, mais donc j'ai arrêté ma carrière en 2014, c'est pas si loin que ça, mais il y a eu déjà beaucoup de changements, surtout que le pic de ma carrière, c'était 2010. On commençait les compétitions vers 7h, on a 5 épreuves à faire dans une journée, des épreuves assez intenses puisqu'on est sur des distances assez courtes sur la natation, une épreuve d'escrime qui va durer 3 heures, qui est très intense au niveau mental, une épreuve d'équitation avec un cheval qu'on ne connaît pas, qu'on tire au sort, donc tous ces facteurs-là, plus une épreuve de course derrière sur une distance de 3000 mètres. En fait, moi, ce qui était important pour moi, c'était de couper ma journée et de pratiquer ce que André appelait cette fameuse micro-sieste, donc même en plein cœur d'une compétition comme les Jeux Olympiques auxquels j'ai pu participer, de prendre le temps d'avoir ces 20 minutes de pause que je m'octroyais, peu importe l'ambiance autour, je prenais le temps de m'isoler. Et c'est vrai que c'était un rebooster d'énergie. Et aujourd'hui, pour ne pas avoir fait toute cette carrière pour rien, et pour vous dire que c'est largement transposable, c'est quelque chose que je continue de pratiquer à la fois dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle, et avec les fameuses mesures, contre-mesures dont parlait André, c'est-à-dire les fois où aujourd'hui, dans la société, en tout cas en France, la sieste n'est pas forcément très recommandée ou très admise. Et donc, l'idée de se couper des écrans ou d'aller chercher un peu la lumière, d'aller chercher la fraîcheur. Donc, ce que je mets en place, c'est vraiment d'aller marcher pendant mes temps de pause
du midi, donc d'aller marcher 20 minutes pour couper. Et pendant les temps où j'ai la chance de le faire, de prendre le temps de fermer ses yeux. Et le dernier point que je voulais témoigner, et peut-être que ça concerne certains d'entre vous, c'est les conséquences surtout du manque de sommeil, et notamment pour ceux qui ont des enfants, et des enfants peut-être en bas âge. Le manque de sommeil sur soi, on devient tout de suite plus irritable. Le manque de sommeil d'un enfant, c'est tout de suite... Les conséquences sont vues en x3 ou x4 parce que beaucoup plus irritable, beaucoup plus, on va dire, gentiment pénible. Et donc, voilà, cette notion de sommeil est vraiment quelque chose de très important, à la fois dans le sport de haut niveau et finalement transposable au quotidien. Merci Amélie pour ton témoignage. Donc, on comprend bien que pour se ressourcer, il est impératif de faire des pauses. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième question. Une question, je dois faire face à une situation à fort enjeu, une situation complexe, j'ai une présentation importante, un entretien de recrutement, une négociation, je passe un examen. Comment, André, grâce à mon mental, grâce à ma préparation mentale, je peux passer l'obstacle? Il nous faut ton micro, André. C'est mieux. Merci. Déjà, pour définir un petit peu sur la préparation mentale, c'est vraiment, tel que nous on le conçoit, c'est de me permettre d'utiliser le plus efficacement possible mes capacités, qu'elles soient physiques, techniques ou tactiques. Et pour cela, il faut se préparer. Alors, souvent, les axes techniques, physiques, tactiques, il n'y a pas de souci, tout le monde travaille ça dans plein de domaines différents. En revanche, vraiment le côté mental, c'est-à-dire ce qui va me permettre d'être en lien avec ce que j'ai appris, ce que je connais, ce que je sais faire pour le restituer, ça c'est différent. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de se préparer, parce que se préparer, c'est limiter au maximum l'inconnu. Et donc, le stress que peut engendrer une situation, comme tu l'as dit Nathalie, ça peut être préparer un examen, prendre la parole en public, être sur une compétition, voilà. Donc, on va préparer son matériel, son trajet, ses supports de présentation, tout ça, ça tombe sous le sens, tout le monde le fait naturellement et puis on nous l'apprend. Mais on pense plus rarement à se préparer soi-même, c'est-à-dire d'être attentif à nos besoins, à notre état émotionnel du moment et à développer ce qu'on appelle l'interoception. Donc, terme très simple, pas barbare du tout, l'interoception, c'est en fait l'écoute de son corps sur le plan physiologique et émotionnel, qui va être de pouvoir capter ses battements de cœur, d'être attentif à sa respiration, à toutes les manifestations physiologiques, à notre système de pensée aussi, et puis savoir un petit peu notre météo émotionnel, on en est où là par rapport à la situation à laquelle on est confronté. Et donc, je vais vous partager à nouveau mon écran. Hop, pour vous montrer, voilà, tout l'intérêt pour nous, ça va être de mieux se connaître. Et mieux se connaître à travers trois axes qui sont pensée, émotion, comportement. Et on va s'appuyer pour ça sur le triangle de Beck. Donc là, vous voyez sur ce triangle-là, pensée, émotion, comportement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont tous en interaction. Et qu'à partir du moment où j'ai des pensées, ces pensées-là vont forcément me donner des émotions, et ces émotions vont me faire adopter certains comportements. Et à l'inverse, pareil, mes comportements vont créer des émotions particulières, et ces émotions me donnent un système de pensée qui va être en relation ou pas. Et tout l'enjeu de ce triangle-là, pensée, émotion, comportement, c'est de pouvoir venir vraiment l'aligner. C'est-à-dire que je vais me sentir parfaitement cohérent et aligné quand ce que je suis en train de ressentir est cohérent avec ce que je suis en train de me dire et cohérent avec ce que je suis en train de faire. Et là, je suis complètement moi. Je suis dans ce qu'on peut appeler dans le domaine du sport le flow, l'état de grâce. C'est que tout est naturel, tout est facile. En tout cas, tout me semble facile. Aussi bien la façon dont je suis en train de penser, d'analyser une problématique et d'y répondre, que la façon dont je me comporte en interaction avec d'autres personnes et des émotions que je ressens de joie, d'un petit peu de challenge, etc., de compétition. Donc ça, c'est là, on est dans le système, on va dire, parfait.
et on doit tendre à déformer ce fameux triangle pour qu'il vienne s'aligner le plus souvent possible et le plus régulièrement possible. Et là-dedans, dans ces trois éléments, donc pensée, émotion, comportement, ce sont en fait trois portes d'entrée pour nous à la prise de conscience et au changement. Parce qu'elles ont des interactions, et ce qui va me permettre, moi, de pouvoir définir dans une certaine situation, est-ce que ce sont mes émotions sur lesquelles il faut que je travaille un petit peu pour venir m'aligner, est-ce que c'est plutôt sur mes pensées ou est-ce que c'est sur mon comportement ? Parce qu'en fonction des situations que vous allez rencontrer, vous pouvez prendre la parole en public et puis vous sentez que vous êtes face aux personnes. Vous faites votre présentation, ça se passe. A priori, les gens ne vous lancent pas de tomates lorsque vous êtes en train de parler. Mais au niveau des émotions, à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est un petit peu compliqué, c'est difficile. Il y a beaucoup de manifestations physiologiques que vous pouvez ressentir, des battements cardiaques, alors que lorsque je parle en public, si je suis à 120 pulsations, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Quand je fais une activité sportive, oui, mais pas quand je parle en public. Donc ça veut dire que là, émotionnellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va peut-être engendrer des petites pensées parasites qui vont venir gêner après le fil de discussion que je pourrais avoir ou le flow très naturel. Je vais peut-être commencer à bégayer, à chercher mes mots, à avoir un trou de mémoire. Voilà, juste parce que j'ai une pensée parasite qui est venue, mais qui était liée à une émotion de « je ne me sens pas super à l'aise ». Donc ça va pouvoir comme ça déterminer sur quel levier je peux venir jouer, lequel est le plus accessible aussi. Et je sais qu'à partir du moment où je viens jouer sur un, c'est comme le mécanisme dans une montre, c'est si je touche à un, forcément ça va influer sur les autres. Donc ça c'est le premier petit travail que l'on peut être amené à faire sur déjà réfléchir un petit peu. Est-ce que je me pose moi souvent la question de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je fais ? Et si on prend l'habitude de se poser ces trois questions-là, on va voir qu'on commence à amener pas mal de solutions qui nous permettent d'anticiper les choses, de les préparer mieux, de les gérer mieux aussi lorsqu'elles se passent. Et pour mettre un petit peu de pratique sur là, ce que je vous parle un petit peu de façon théorique, je vais vous proposer du coup une petite expérience. Donc, à quelques dizaines, centaines ou milliers de kilomètres, c'est l'avantage d'être rassemblés sous ce format-là. C'est de penser là juste de prendre un objectif que vous auriez à court ou moyen terme, quelque chose qui pour vous est important, qui vous tient à cœur. Ça peut être les prochaines vacances, les fêtes de fin d'année, la fameuse sortie de notre état un peu particulier de crise, de quelque chose qui vous intéresse en tout cas là, que vous avez comme ça en tête. Une fois que vous l'avez, vous le mettez juste de côté et je vais vous inviter à porter attention à votre respiration. Donc si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux juste le temps du petit exercice. Ça va vous permettre d'être vraiment concentré sur votre respiration. Donc sur cette respiration là, c'est porter votre attention sur votre rythme, sur votre amplitude, peut-être plus ou moins grande lorsque vous inspirez et expirez. Et également sur les mouvements liés à votre respiration. Est-ce qu'habituellement, je fais attention lorsque je respire à ce qui se passe au niveau de mon corps, mon ventre, mais aussi au niveau de ma poitrine? Et juste à travers cette petite prise de conscience, de me poser la question de qu'est-ce que je ressens. De porter cette attention sur ma respiration, comment je la ressens du coup, est-ce que ça me donne des pensées particulières? Le fait d'avoir ce rythme, est-ce que ça m'amène du calme, du bien-être ou toute autre chose? Et maintenant, vous laissez venir à vous cet objectif que vous avez peut-être eu tout à l'heure lorsque je vous en ai parlé,
et vous pouvez être amené à le préciser. Est-ce que c'est à une date particulière, à un endroit particulier? Et vous essayez comme ça de vous le représenter, de bien l'imaginer et de ressentir le plaisir d'y être et de vivre ce moment. De cet objectif que vous aviez en tête à un moment donné, et là vous pouvez complètement vous immerger dedans, et vous pouvez également traverser cet objectif, c'est-à-dire voir ce qu'il vous a apporté une fois qu'il a été réalisé, les bénéfices que vous en retirez, les opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être les félicitations de votre entourage, la fierté d'être allé jusqu'au bout. Et toutes ces sensations positives de satisfaction, d'énergie, de bien-être, vous allez pouvoir les ramener ici et maintenant, prêt à réaliser cet objectif. Tranquillement, réouvrir les yeux s'ils étaient fermés et d'être bien conscient de cette énergie, de cette vision, de ces sensations que vous avez pu avoir ou qui vont arriver. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez refaire très facilement, quel que soit votre objectif, qu'il soit d'une importance capitale ou un peu moins important, engageant. En tout cas, c'est une façon qui est déterminante dans le maintien de la motivation, dans cette fixation d'objectifs qu'on va se donner et dans la confiance en soi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment chez les sportifs. Et là, Amélie va vous parler de son expérience. Sur quand on parle de maintien et quand on est notamment sur des objectifs qui sont des fois à long, voire très long terme, quand on prépare un athlète, je prends le cas, mais un jeune, on lui dit ben, « je te prépare pour Paris 2024 », mais qu'on lui parle de ça en 2016, c'est comment je vais réussir à m'imaginer dans cet objectif-là qui est très lointain, qui peut être avec plein d'imprévus. Si on prend les Jeux de Tokyo, tout le monde s'est préparé pour 2020. Ben, le sportif qui se prépare depuis 4, 5, 6 ans pour Tokyo 2020, quand à un moment donné, dans sa tête, il faut basculer à 2021, point d'interrogation, c'est quelque chose qui, voilà, il faut avoir des outils pour se préparer là-dessus. Donc, Amélie, je te laisse amener ton expérience à ce niveau-là. Oui, je viendrai témoigner ici sur ce qui, moi, m'a semblé crucial dans ma carrière de sportif, cette notion de traverser l'objectif. Très souvent, effectivement, on s'arrête sur je veux gagner cette compétition et on pense que c'est ça l'objectif. En fait, derrière gagner une compétition, il y a beaucoup de représentations, beaucoup d'inconscient aussi et beaucoup de conséquences qu'on n'imagine pas forcément, en positif comme en négatif. Et toujours en ayant fait des tops sans le savoir, les fois où j'ai gagné mes compétitions, donc j'ai gagné des championnats du monde, j'ai gagné des championnats d'Europe, je n'ai pas gagné de Jeux Olympiques. Et je vous en expliquerai la raison, enfin une des raisons, parce que c'est toujours multifactoriel, mais en fait, très rapidement, le matin de mes compètes, j'avais, enfin au tout début, c'est venu, j'étais très, très frileuse sur la course, ça a toujours été ma bête noire, et il faut savoir que c'est notre dernière épreuve de la journée, et donc des fois, je me levais le matin en me disant, waouh, mais ça va être encore horrible cette journée, la course, ça va être super dur, et je me suis déjà sabotée des compétitions, parce que, on revient un peu tout à l'heure, je craignais l'épreuve de course, et du coup, j'étais déjà en souffrance, alors qu'on ne me demandait pas de courir, on me demandait de commencer par faire du tir au pistolet, ou de l'escrime, des choses que j'aimais bien, notamment l'escrime. Mais donc du coup, j'étais dans cette projection mentale et en même temps qui n'était pas réelle. Et à cause de cette peur, je me suis sabotée des compétitions, c'est-à-dire que j'avais tellement peur que je n'arrivais pas à me préparer. Sauf qu'une fois que je m'étais sabotée la compétition, une fois la compétition finie, je me regardais dans le miroir, je me disais, mais en fait, c'est nul ce que tu as fait. Enfin, c'est dommage même, enfin, plus que nul, c'est surtout dommage de se dire, mais vaut mieux vivre une fois la souffrance au lieu de l'anticiper et de la vivre plusieurs fois.
Et très jeune, je me suis tous les matins, je me regardais dans ma glace, mais c'est pas fake, j'avais deux choses, je me regardais dans ma glace et je me disais, ok, ce soir, quoi qu'il se passe, je vais pouvoir me re-regarder à nouveau dans le miroir parce que je sais que j'aurais donné 100% de moi-même, parce que je sais qu'à ce moment-là, j'aurais vraiment traversé ma compète, j'aurais vraiment fait 100% de moi-même sur cette compétition-là. Et pour la petite anecdote, j'avais toujours mon petit doudou qui restait dans la chambre d'hôtel et c'était mon challenge de revenir et de pouvoir lui parler. C'était ma manière à moi d'exprimer, de dire ok, ce soir, je suis fière de moi. Que j'ai gagné ou que je n'ai pas gagné, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à donner ce que j'avais et je me suis projetée le matin dans l'attitude que je voulais avoir le soir en me regardant dans le miroir. Et ça m'a permis clairement de gagner des compétitions. Et si je prends l'exemple des Jeux Olympiques qui ont pour moi été tout sauf des jeux, je n'ai pas vraiment joué, je crois que je n'ai pas ce tempérament-là. Mes derniers Jeux, c'était 2012 et ça devait être plus ou moins la fin de ma carrière. Ce n'était pas très clair dans ma tête, mais en tout cas, j'avais mis en place pas mal de choses qui, quoi qu'il se passe, prenaient fin. Donc la date des Jeux pour moi, c'était le 12 août 2012 à Londres. C'était le dernier jour des Jeux, dernière épreuve, enfin, dernier jour de compétition et nous, on était donc le dernier sport à participer. Et derrière, en fait, j'avais un contrat avec mon entraîneur qui s'arrêtait le 13, donc le 13 août. Je n'avais pas du tout anticipé la suite. Alors, bien évidemment, j'ai fait partie des sportifs qui ont dit « je veux gagner les Jeux ». J'étais triple championne du monde en titre, double championne d'Europe. J'étais dans le top 5 mondial. J'avais aucune raison de ne pas vouloir prétendre cet objectif-là. Mais derrière le terme « objectif », l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas projetée. Ça veut dire quoi pour moi concrètement, monter sur un podium olympique? Ça veut dire quoi vivre un 13 août 2012 en ayant une médaille olympique ou en ayant juste donné 100% de moi-même sur les Jeux? Et en fait, le fait de ne pas avoir réussi à me projeter sur cette compétition-là a fait que je suis passée, entre autres, complètement à travers, puisque j'ai subi de A à Z ces 5 épreuves au lieu d'en être acteur. Et c'est vraiment pour moi, la clé de ce que j'en retiens de cet échec, et c'est toujours dans les échecs, on dit on apprend beaucoup, mais on apprend aussi de ses victoires, bien évidemment. Mais voilà, ce que j'essaye aujourd'hui et que je mets en place à mon petit niveau des réunions que j'ai, surtout celles où je sais que ce n'est pas forcément envie d'y aller, où je sais que ça va être un petit peu tendu, c'est de me dire finalement qu'est-ce que j'attends de cette réunion et comment j'ai envie d'en sortir, et ou bien comment j'ai envie de finir cette journée ou cette semaine qui s'annonce un peu compliquée, comment j'ai envie de la vivre et qu'est-ce que j'ai envie d'y donner, de quoi je serais fière. Donc cette notion de traverser l'objectif reste pour moi une clé à tout niveau, et c'est-à-dire aussi bien sportif de très haut niveau, artiste de très haut niveau, ou bien juste le fait de bien vivre sa journée, qui est pour moi aujourd'hui pas un but de vie, mais en tout cas une philosophie de vie, de dire ben, je vais essayer de faire du mieux que je peux sans me mettre trop de pression et en ayant bien l'idée de ok, où est-ce que j'ai envie d'aller et surtout qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, pour revenir sur le triangle de Beck, en essayant d'aligner mes émotions, mon comportement et mes pensées. Merci Amélie. Je ne sais pas si André, tu veux rajouter quelque chose sur le principe de traverser l'objectif, ou sinon on va passer donc à la deuxième partie avec des questions de la salle, donc de vous tous. Karine, tu as peut-être déjà quelques questions qui ont été posées que tu peux nous transmettre. Alors oui, une question de Marie-Mar qui nous demande, en cette période d'incertitude, comment se motiver ou visualiser des objectifs quand il y a autant de paramètres que nous ne maîtrisons pas du tout. Qui a envie de répondre, André, Amélie ? La très bonne question. Mais la très bonne question avec une réponse, moi, je vais dire qui est assez simple. C'est que je ne passe pas de temps sur les éléments que je ne peux pas maîtriser. Donc, ça me permet d'économiser l'énergie, de la mettre là où il faut. C'est-à-dire que des fois, on veut révolutionner le monde, ben, je vais déjà commencer par me révolutionner moi, révolutionner ceux qui sont autour de moi, et puis on va voir au fur et à mesure où on élargit les cercles. Mais le changement, ça commence par soi. Et donc, parce que moi, c'est déjà ce que je peux normalement assez bien maîtriser. Tout ce qui est extérieur à moi et qui est sur des facteurs où j'ai aucune influence possible de façon directe, ou alors qui vont prendre énormément de temps, ça va me faire perdre ma motivation, ça va me cramer toute l'énergie dont je dispose. Donc c'est vraiment une orientation de l'énergie et pas chercher à se battre contre des moulins. C'est
C'est surtout pas un côté défaitiste où je laisse tomber. Non, c'est justement, j'ai de l'énergie, mais il faut que je la mette sur les bons objectifs qui sont, ça je peux le changer, et ben je le change. Ça je peux pas le changer, je passe pas de temps dessus. Ok. Je compléterai juste en deux mots l'importance de se dire est-ce que je continue de subir ce sur quoi je peux pas par rapport à ce à quoi je peux pas agir, ou est-ce que je me focus sur mon petit angle de tir qui dépend uniquement de moi, et dans ces cas-là je redeviens un peu acteur de ma vie, acteur de mes choix, acteur de mes décisions dans toutes les pressions qu'on met ou dans toutes les impossibilités que j'ai autour. Ok, merci. André, tu présentais tout à l'heure le triangle de Beck. Tu parlais d'alignement, de recherche de cet alignement entre nos pensées, nos émotions, notre comportement. Est-ce qu'il y a une façon pour nous de percevoir quand on est dans cet alignement, ou à l'inverse quand on est dans un désalignement, et du coup de le travailler, de travailler ça? Alors on le perçoit, ça c'est quand on travaille vraiment sur soi, sur... Ce qui est important, c'est de pouvoir repérer les symptômes et d'avoir, quand je parlais d'interoception, c'est ça, c'est d'avoir cette finesse de bien se connaître, parce que plus rapidement on va pouvoir détecter chez nous ce qui nous pose un petit problème, que ce soit dans notre comportement, notre façon de penser ou nos émotions, on va pouvoir mettre des contre-mesures qui sont très simples, très peu coûteuses en énergie. Malheureusement, on est bien souvent, on se rend compte des choses quand de toute façon on ne peut plus faire autrement, parce qu'on n'a rien anticipé, parce qu'on n'a rien ressenti, alors que notre corps il nous a donné des signaux, mais de partout, sauf que ces signaux-là je ne les connais pas et je ne les ai jamais mis en connexion avec, quand je ressens ça, ça veut dire ça et ça se traduit comme ça chez moi. Et donc c'est ce travail-là qui est fait avec notamment, ça va être du développement de l'habitat imagé, ça va être le travail sur les cinq sens, ce qu'on appelle le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Et donc c'est développer ces sens-là pour qu'au fur et à mesure, quand je suis en train de discuter là avec vous, quand je suis en train de faire les devoirs avec mes gamins, quand je suis en train de présenter un projet à une entreprise, ben de tableau, ce qu'on appelle la position méta, c'est-à-dire que je suis à la fois dans l'action, mais à la fois dans cette prise de recul de ce que je suis en train de réaliser, de comment je suis en train de le ressentir en même temps. Donc, et ça, c'est à développer de 3 ans jusqu'au bout. Ça se développe tout le temps. D'accord. Donc, justement, Fabienne nous demande, quand il y a une présentation ou une interview, comment est-ce que je peux corriger rapidement? C'est grâce à cette méta-observation que tu évoques. Oui, est-ce que tu as un autre petit truc que tu pourrais nous partager quand vraiment il y a le feu et qu'on a besoin de rectifier le tir rapidement, si je puis dire? Ah, quand il y a le feu, il y a une technique qu'on appelle en top le signe-signal d'ajustement réflexe. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a programmé pendant une séance, qu'ont souvent aussi les athlètes ou nous dans le milieu militaire pour le tir notamment. C'est quelque chose qui fait que si je suis amené à être sous l'effet de la, on va dire de la surprise qui obligatoirement nous amène à un niveau de stress important, là il faut que j'ai quelque chose qui, voilà, c'est le claquement de doigts, ça va me mettre dans un état particulier parce que j'ai programmé que ce claquement de doigts-là, ce qu'on appelle aussi des ancrages en hypnose ou en programmation neurolinguistique, mais j'ai programmé que ce claquement de doigts, mais ça peut être aussi une pensée, une phrase qui est ma phrase, qui pour moi a un sens très particulier, mais j'ai connecté cette phrase, ce geste, ce mot, cette musique, une odeur peut-être, à un état particulier d'engagement, de relâchement, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on utilise quand on est vraiment en mode, comme tu disais, sur le feu. Ok. Alors, une remarque de Valérie d'Espagne qui nous dit « C'est intéressant de voir le petit pas de côté entre le lâcher prise » que sous-entend André, et de reprendre le contrôle cité par Amélie. Voilà. Une autre question d'Émilie de Los Angeles qui nous demande si la méditation peut être un outil de la performance, et si oui, comment l'utiliser? Du coup, Amélie, je ne sais pas, méditation, tu avais utilisé déjà avant ou c'était dans... Ou tu n'étais pas du tout... Non, je n'étais pas dedans, mais...
Encore une fois, je pense que, et pas plus tard que ce matin sur un athlète que j'accompagne, il a l'ambition de se mettre à la méditation, au yoga, parce qu'il se dit, ça va être, c'est bien, il faut être dans l'action, mais en même temps, à un moment donné, il faut se reposer. Oui, c'est vrai, je pense que la méditation est un outil qui peut offrir ça, ce retour au calme, ce recentrage sur soi, à partir du moment où c'est un outil qu'on arrive à s'approprier. C'est pas parce que je fais de la méditation que ça va marcher tout seul. C'est parce que je sais qu'en faisant ça, moi, personnellement, ça me fait du bien. Moi, je sais que ce qui peut me faire du bien, parfois, qui m'aide à me recentrer, alors ça va être tout l'inverse, c'est d'écouter de la musique pleine balle dans les oreilles. Et j'ai besoin de ça, ça m'apporte une énergie et ça, en même temps, ça me décharge complètement. Donc, c'est plus que la méditation absolument. C'est, oui, la méditation, c'est clairement un outil et c'est aussi prouvé par rapport aux ondes que ça vient générer dans le corps. Mais au-delà de la méditation, c'est le temps pour se ressourcer. Parce que la méditation, ça amène un retour à soi, au fameux vide intérieur, mais en sachant qu'on n'arrête pas ses pensées. Mais voilà, moi, en tout cas, personnellement, je l'interprète comme ce retour à soi, ce moment de ressource, ce moment qui fait du bien, qui, à un moment donné, se passe soit par du calme, soit par quelque chose, en tout cas, juste qui fait du bien. Et oui, la méditation, ça a des conséquences sur la performance sportive à partir du moment où on a la sensation que ça nous aligne entre nos besoins et notre ressenti. Toujours cette idée de sentir que ça s'aligne, les émotions, le pensée, le comportement. Ok. Une autre question d'Isabelle. On parlait de sieste tout à l'heure. Alors, quand on n'a pas la possibilité, pour l'instant, de suivre une formation top, mais qu'on a peut-être un petit souci de sommeil, comment est-ce qu'on apprend à faire la sieste? Très simple, toujours pareil. C'est, on se coupe. On se coupe dans le sens où on sait ce qui quand même est bon pour nous ou nous met dans les meilleures conditions pour faire une sieste. Mais des fois, c'est la sieste, il ne faut pas non plus le placer dans une sorte d'attente de « j'ai mon petit créneau maintenant, vite, vite, je vais, il faut que je dorme ». À partir du moment où on va se donner l'injonction « il faut que je dorme », on va avoir créé une attente qui va faire tout l'inverse de lâcher prise et de partir potentiellement en sommeil. Donc, il n'y a pas de « il faut que je dorme ». C'est super, là, je suis fatigué, je me prends un créneau, j'ai combien? J'ai 10 minutes, j'ai 12, j'ai 14. Ben, je prends ce créneau-là et j'en profite. Je prends toujours l'image du téléphone et de dire « votre téléphone, quand vous l'avez, vous ne vous posez pas trop la question ». Quand vous êtes avec 14% de batterie qui vous reste et il est que 10h du matin, vous avez la chance d'avoir votre chargeur avec vous, vous rentrez dans une pièce, vous allez brancher votre téléphone. Et si au pire, vous allez maintenir votre capacité et au mieux, vous allez la recharger. Et bien, pour votre corps, c'est pareil. Est-ce qu'il va vraiment dormir ou pas? Il s'en fout. En tout cas, vous allez couper le rythme de la journée. Votre cerveau, ça va lui permettre de se nettoyer entre les fonctions qu'il est en train d'utiliser, les zones du cerveau qui étaient utilisées, et là, le fait de faire ce petit break, si je m'isole sensoriellement, si je baisse la luminosité, si je mets la petite musique qui me va bien, si je suis dans la température et dans la posture de confort pour moi, eh bien, je vais recharger les batteries et j'aurai ou dormi ou rechargé. De toute façon, je suis gagnant. Je ne peux pas perdre. C'est ça qu'il faut réussir à ancrer et puis au fur et à mesure, plus on pratique ça et plus vite on arrive à basculer en mode sommeil. Ok, je fais une toute petite parenthèse dans le courant des questions pour vous dire que si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines conférences de Madrid Accueil Pro, je vous invite à laisser votre adresse mail dans la conversation. J'ai désactivé le partage de la conversation entre tous, donc si vous marquez votre adresse mail, il n'y a que moi qui peut la voir. N'hésitez pas à continuer à poser des questions parce que je continue à les voir, mais si vous voulez être tenu au courant des prochaines conférences, surtout marquez votre adresse mail. Il y avait une question de Philippe qui souhaitait savoir, dans le cadre de vos études, avez-vous aussi testé des techniques de respiration en lieu et place de la sieste, par exemple la respiration pranique sur 7 minutes? Alors, des respirations, il y a la respiration, de toute façon, c'est la base de toutes les méthodes, qu'on prenne la sophro, le yoga, la programmation neurolinguistique, la méthode Wim Hof pour ceux qui connaissent, etc. C'est vraiment la chose la plus essentielle. Et si on doit retenir une seule technique, c'est savoir respirer.
parce que respirer de façon, c'est une fonction semi-automatique du corps. Dès qu'on est, on respire sans avoir jamais appris. Sauf que bien respirer, c'est différent en fonction de ce qu'on fait, de ressentir. Là, quand je suis en train de vous parler, j'ai une façon de respirer qui est différente. Donc, avec l'habitude, je n'ai pas besoin d'avoir un niveau de conscience de cette respiration plus ou moins développée. Mais sur mes premières prises de parole, ben, je vais faire plutôt attention à ma respiration parce qu'en fonction des tempos que je vais donner, je vais activer les différents systèmes sympathiques ou parasympathiques qui vont faire que certains vont m'activer et sécréter certaines hormones, notamment l'adrénaline qui va me booster, ou d'autres qui vont aller sur des hormones qui vont plutôt me calmer. Et ça, c'est mon système parasympathique. Donc la respiration, tout est bon. Toutes les techniques de respiration sont bonnes. Moi, j'en ai expérimenté voilà, plein différentes. Et après, c'est toujours pareil. On n'est pas, et en top, on est vraiment, le travail, il est vraiment fait là-dessus. C'est qu'on ne cherche jamais à dire quelle est la bonne recette. Et de dire, ah, ça y est, j'ai appris ça. Et du coup, c'est ça qu'il faut que je fasse et qui fonctionne. Non, c'est tu as appris une recette. Tu vas la goûter. Et tu vas voir si dans les ingrédients, toi, il y en a que tu veux mettre un petit peu plus ou que tu veux enlever. Parce que la bonne recette, c'est celle qui va te correspondre et que tu auras créée parce que tu es attentif à ce que ça procure chez toi, la façon de le faire comme ça, dans ce contexte-là. Il n'y a que ça qui prévaut et c'est ce qui marchait du coup chez nous en technique avec les militaires. C'est qu'on enlève, ce qui peut paraître un peu paradoxal, on enlève tout le côté de uniformisation. C'est là, c'est que du sur-mesure que je fais. Si j'ai compris le grand principe, la respiration c'est important, d'accord. Ben, maintenant, je vais jouer avec ma respiration et de voir quand je fais ça, quand je fais des apnées, poumons pleins, poumons vides, etc., qu'est-ce que ça génère chez moi. Et à partir du moment où j'ai compris que ce travail-là me procure cet effet-là, et du coup, j'ai rentré ça dans ma base de données et je vais pouvoir ressortir ça maintenant à chaque fois que j'aurai besoin de ressentir l'effet concerné. C'est ça le plus important. C'est non pas la recette, c'est surtout de comment je me l'approprie et ce que j'en fais. Alors, tu parles de respiration, il y a Lisa qui vous demande, mis à part la respiration, quoi transmettre à nos enfants pour les aider sur ces sujets et leur apprendre à traverser des moments de stress, par exemple des examens, confinement ou autre. Alors moi, ils sont un peu plus grands que ceux d'Amélie, mais je sais qu'elle y travaille aussi pas mal dessus. Moi, ça a été mes laboratoires depuis qu'ils ont eu 4 ans, c'est-à-dire là où ils peuvent vraiment prendre conscience de la respiration, en commençant à jouer avec eux, poser la main sur le ventre, sentir les mouvements du ventre à papa, etc. Et voilà, de commencer à les initier à cette sensibilité-là. Les faire remarquer aussi qu'à chaque fois qu'ils sont en stress, ils ont eu la modification de leur respiration, parce que le premier muscle qui réagit au stress, c'est le diaphragme, qui vient se contracter quand cette sensation de peur, quand on est surpris, c'est de suite on contracte et on a une respiration à minima. Mais la respiration à minima, c'est que j'amène moins d'oxygène. Et si j'amène moins d'oxygène, ben forcément, le cerveau, il doit choisir à... Il me faut de l'oxygène pour réfléchir et prendre les bonnes décisions, mais il me faut aussi de l'oxygène pour alimenter les muscles. Donc, je suis obligé de faire des choix. Et donc, c'est de travailler là-dessus. Et avec les enfants, alors, il y a la respiration... Il y a tout ce qui va être une technique qu'on appelle le renforcement positif en top, qui est vraiment sur cette notion de feedback qu'on peut faire avec les enfants de façon très, très factuelle dans l'observation de quand il rentre de sa journée d'école ou quand il a fait un examen, de venir de suite ancrer ce qui a été bien fait, ce qui a été bien ressenti par lui, de venir vraiment mettre le projecteur sur « Hey, t'as vu un petit peu ce que t'as fait ? Tu vois sur quoi t'es compétent, sur quoi tu as bien agi, le comportement que t'as eu ? Ah ben, c'est bien de penser comme ça. Je suis fier de toi, tu vois. C'est tous ces petits trucs-là qui font qu'au fur et à mesure, ils gagnent en estime d'eux, ils gagnent en confiance en eux et donc ils abordent les situations plus ou moins problématiques d'une façon plus souple, on va dire. On n'enlèvera pas le stress parce qu'il en faut. Le stress, c'est la vie, c'est l'action. Donc, il faut être stressé, mais il faut l'être dans une certaine jauge. OK. Marie-Laure, à Berlin, nous demande quelle est la part de l'hypnose dans les préparations mentales. Oh, ben, si, enfin, dans les préparations mentales, si je prends celles qui ne sont pas, on va dire, typées, à dire là, je fais de l'hypnose, etc. Nous, en top, on est basé sur toutes les approches. C'est un mix. Comme je vous ai dit, on a fait notre petit shaker.
On a pris un petit peu tout, ce qui fait que les gens qui sont formés à l'hypnose, à la PNL, à la sophro, au yoga, aux thérapies cognitivo-comportementales, etc., etc., à chaque fois, ils vont dire « Ah, mais ça ressemble à… » Ben oui, ça ressemble, parce qu'on s'est inspiré d'eux. Sauf qu'on a dégagé tout ce qui, pour nous, était ou trop long, ou demandait trop de moyens, parce que le militaire en opération, pour nous, il doit avoir, sur un temps très court, eu une maîtrise assez fine de la technique qu'on lui a apprise, pour qu'il soit en autonomie de la faire dans la situation que lui va rencontrer. Parce que je ne peux pas avoir quelqu'un tout le temps avec moi qui va me coacher dans les environnements. Et d'autant plus que ce qui me stresse moi, ce n'est pas la même chose qui va stresser Amélie, etc. etc. Donc on ne peut pas définir que pour telle situation, voilà ce qu'il faut mettre en face en technique. Ben non, ça dépend que de toi et du ressenti face à la situation. Ok. Une deuxième petite aparté, suite à une question de Karine qui nous demande, elle voit que la conférence est enregistrée, est-ce qu'il sera possible de visionner le replay? Effectivement, on a oublié toutes nos excuses de vous signaler au début de cette conférence qu'elle sera enregistrée, mais pas de stress si vous aviez votre caméra, puisque l'enregistrement ne diffusera que les vidéos des personnes qui ont parlé et absolument pas les vidéos des participants. Nous protégeons votre vie privée. Et donc, comme on ne vous a pas demandé de droit à l'image, bien évidemment, vous ne serez pas sur le replay. Mais le replay sera envoyé à toutes les personnes qui étaient inscrites à cette conférence. Une autre question de Gabriel. Comment faire pour ne pas dépasser la limite au-delà de laquelle une sieste devient trop longue? Personnellement, il m'arrive de me réveiller de mauvaise humeur car j'ai dormi trop longtemps. Faut-il utiliser un réveil? Très bien. Ça veut dire que déjà, je sais que ce temps-là, il est trop long pour moi. Donc ça, c'est la première info qu'il faut garder. Et après, il faut expérimenter. Toujours pareil, on part toujours de ça, de se dire, ben là, j'ai pris… On donne sur les cycles, c'est pour ça que je vous ai parlé de la sieste et qu'on donne le timing de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, il y a de fortes chances que vous alliez sur du sommeil profond. Et le sommeil profond, derrière, vous allez avoir une inertie, une hypotonie musculaire qui va être importante. Et donc, si on veut limiter les effets là, ben, ça veut dire que je m'astreins vraiment à maximum 20 minutes, voire beaucoup plus court. Parce qu'au fur et à mesure, je vois que moi, j'ai besoin que de 11 minutes. À partir du moment où, ça y est, j'ai mon timing, je vais pouvoir trouver le type de sieste qui me correspond avec la durée qui correspond. Ok, merci. Au tout début, tu nous as montré la courbe avec les cycles circadiens. Pourtant, on entend souvent des personnes dire « moi, je suis du matin » ou « moi, je suis du soir, je travaille mieux le matin, je travaille mieux le soir ». Du coup, c'est un mythe ou alors c'est mélangé avec autre chose? Ça, c'est ce qu'on appelle les chronotypes. Donc, chronotype, vous allez être plutôt matinal ou vespéral. Donc, et vous allez avoir besoin d'une quantité de sommeil qui n'est pas la même. On n'est pas tous égaux devant le sommeil. Certains sont très sensibles aux perturbations du sommeil. Certains ont besoin de plus de 9 heures de sommeil. La population française, c'est à peu près 10% de la population. Et moins de 6 heures de sommeil, vous avez à peu près 5 à 10% aussi de la population. Sinon, tout le monde se situe à peu près 7h30, 8 heures de besoin de sommeil, donc au niveau du temps. Mais maintenant, comme Amélie l'avait dit tout à l'heure, ce qui est important surtout, c'est la qualité de mon sommeil. Il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. C'est un petit peu pareil dans tous les domaines, hein, que ce soit l'alimentation, le sport, etc. Mais là, pour le sommeil, c'est la même chose. Donc, c'est trouver... pour moi, quelles vont être les bonnes conditions d'un sommeil qui va vraiment être récupérateur. Plutôt que me mettre au lit, j'ai eu une athlète comme ça de 800 mètres qui me dit bah, « moi, je me couche à 21h30 ». Je lui dis bah, « c'est très bien ». J'ai dit « et tu t'endors vers quelle heure ?»« Oh, à peu près 11h30 ». J'ai dit « mais tu fais quoi pendant 2 heures ?» Elle dit bah, « j'attends ». J'ai dit « mais t'attends pourquoi ?» Ben, on m'a dit qu'il fallait se coucher tôt pour être en forme et récupérer. Mais non. Donc, on a fait les tests. Et son chronotype était plutôt du soir, donc son heure d'endormissement était à 22h45. Et je lui dis, bah, avant 22h45, tu ne te mets pas au lit, sauf signe extrême de fatigue. Sinon, toi, tu es paramétré pour te coucher à 22h45. Et là, tu verras que quand tu te mets au lit, 10 minutes après, tu dors. Donc là, tu rentabilises plutôt que de partir après dans des pensées de « j'arrive pas à dormir, donc je vais être fatigué demain ». Et on se met en tension musculaire, et puis ça y est, on est rentré dans le triangle. Mais sauf que là, c'est… d'une pensée négative de « j'arrive pas à dormir, je vais pas être en forme demain », ça amène des émotions et des sensations particulières qui sont des tensions, qui vont générer des comportements de modifier, de changer de le lit ou de se lever, etc. Et ça y est, on est parti dans un cycle qui est vicieux. Merci.
Amélie, on entend souvent parler de visualisation pour les sportifs de haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup utilisé? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée de manière naturelle et une technique que j'ai oublié d'utiliser pour, encore une fois, mon épreuve un peu bête noire qui était la course. Mais typiquement, en natation, au pentathlon moderne, c'est un 200 mètres nage libre. Et avant chaque départ de course, donc on a le temps d'échauffe dans l'eau et après, on a entre 10 et 20 minutes selon la série dans laquelle on se situe, le temps de mettre sa combinaison. Et après, j'allais m'isoler sous ma serviette et je visualisais mon 200 mètres. C'est-à-dire que je me voyais monter sur le plot, plonger, mon premier 50, comment je le gérais, mon deuxième 50, mon troisième 50, mon dernier 50 mètres, avec ma respiration qui s'accélérait, j'avais le ressenti et ma visualisation durait vraiment le temps de 2 minutes, le temps de nager mon 200 mètres. Et c'était un moyen d'ancrer dans mon corps, voilà ce que je vais vivre, voilà ce que j'ai envie de vivre et voilà ce que je vais vivre. Et donc ça, c'est une technique qui est aussi utilisée dans les tops, la fameuse programmation mentale de la réussite où on va ancrer dans son corps ce qu'on a envie de vivre. Et donc il y a ce type de visualisation-là qui est vraiment, je visualise l'action, où j'ai utilisé moi un autre type de visualisation au tir au pistolet lorsque notre épreuve de tir était séparée de l'épreuve de course, qui maintenant n'est plus le cas parce qu'on a un combiné tir et course comme au biathlon. Mais dans la première partie de ma carrière, le tir était le matin et la course était le soir. Et donc le tir, c'était 20 plombs avec 40 secondes par plomb, en sachant qu'on peut tirer un plomb en 8 secondes, donc il reste quand même 32 secondes pour cogiter. Et là, j'utilisais la visualisation, mais de détente. C'est ce qu'on va appeler l'image de détente en top, où je me voyais dans un endroit qui me faisait du bien. Donc j'ai grandi à la ferme, j'étais avec mes animaux, j'étais dans un environnement que j'étais bien, alors que j'étais au championnat du monde à Berlin et que c'était mon tout premier championnat du monde vraiment en catégorie senior. Enfin voilà, il y a tout un enjeu derrière. Et en fait, pendant mon tir, ben voilà, entre chaque plonge, je partais dans un endroit où je me sentais bien, sur un paysage, sur une odeur, sur donc un peu le VACOC exprimé André tout à l'heure. Et donc voilà, un autre type de visualisation, soit pour vraiment se détendre parce qu'on est dans un endroit où on se rappelle des choses qui font du bien, soit une visualisation qui vient préparer l'événement où on voit ce qu'on va faire, on voit la course qu'on va faire, on voit le parcours d'équitation qu'on va faire. Et donc ça, on n'est pas dans la même préparation, mais on utilise la même méthode. Et quand on n'est pas sportif de haut niveau, au quotidien, cette visualisation, comment est-ce que tu nous conseilles de l'utiliser? On rejoint un peu l'idée de traverser l'objectif, de se dire comment j'ai envie de vivre cette journée. Déjà, c'est une première question avant de se lever le matin, c'est de dire, tiens, comment j'ai envie de vivre cette journée, de pouvoir peut-être, ou cette journée ou cette semaine, selon l'échelle qu'on prend, mais passer au crible les points incontournables, ce qu'on a à faire, et y mettre un peu de ce qu'on a envie de faire aussi, c'est important pour son équilibre, et donc de dire, ben voilà, de peut-être se passer en mode rapide sa journée, ok, j'ai ça, ça et ça, ah oui, j'ai ça aussi, je vais prendre ce temps-là, et quoi qu'il se passe, à 6 heures, j'ai fini, je vais faire ma séance de sport, voilà, de se la programmer, et on peut aussi se programmer de dire, ok, là, je sais qu'à un moment donné, si je vais monter en stress dans cette réunion, et je sais que j'ai un outil qui va être, je me revois dans un endroit que j'aime bien, où j'utilise la respiration, ou bien je me prépare avant. Voilà, donc cette visualisation, elle peut se faire au réveil pour une journée, elle peut se faire sur une échelle un peu plus large, de, ok, là, je sais que je rentre dans un cycle de travail qui est assez intense, ou dans un confinement qui va durer 4 mois, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce confinement? Donc voilà des exemples types de visualisation qui peuvent être utilisés au quotidien. Ok, merci. On revient sur du sommeil, on va peut-être prendre les trois dernières questions parce que je vois que l'heure tourne. Une question de Karine, est-ce qu'il est possible de réduire les réveils nocturnes, réveil 4 à 5 fois? Et j'aurais envie d'ajouter à cette question, André, tu avais parlé d'une zone de sommeil, de réendormissement difficile si on se réveillait entre 3h et 5h du matin. Du coup, quand il y a des réveils, et encore plus quand, elle est dans ce, quand ils sont dans cette tranche horaire-là, comment faire pour faciliter l'endormissement à nouveau, alors que le corps a déjà tout ce qu'il lui faut? Eh bien, on va faciliter le réendormissement ou pas.
Parce qu'en fait, on va être axé sur. Moi, ça m'arrive 2-3 fois par mois où je me réveille, oui, sur les coups de 3 heures, 3 heures et demie, et je me laisse 15 minutes. Pendant 15 minutes, je fais mes techniques de respiration. Je vois si la position elle était vraiment confortable ou je modifie ma position. Et mon critère de repère au bout de 15 minutes, c'est au niveau de mes paupières. Si je sens que j'ai vraiment les paupières lourdes et que je me sens fatigué, je sais que c'est bon, je vais partir. Si au bout de 15 minutes, je n'ai pas du tout cet effet-là et que je sens que mes yeux, les paupières sont plutôt légères, je me lève et je démarre mon activité de la journée, donc c'est-à-dire pas d'écran évidemment, mais je prépare mes supports, je réfléchis à ma programmation de ma semaine, à un projet que j'ai dans les bacs et sur lequel il faut plancher un petit peu. Donc, je commence à rentabiliser en fait ma journée. Du coup, je ne perds pas de temps parce que je ne dors pas. Je suis en train de me dégager du temps sur la journée ou sur la semaine à venir. Et quand je vous parlais de perception, ben, ça change tout. Ce qui fait que je ne suis pas énervé d'être à 3 heures du matin éveillé et de ne pas réussir à me rendormir. Je me dis super chance d'être en pleine forme à 3h30 parce qu'il n'y a personne pour me saouler, il n'y a pas les gosses, il n'y a rien, je suis tranquille, il n'y a pas de téléphone, c'est souple. Et donc là, moi, je vais rentabiliser mon temps. Et quand ce petit, si vous vous rappelez, la petite fenêtre, dès que je sens moi, les premiers symptômes du train du sommeil qui arrive, ben là, je plante tout ce que je suis en train de faire parce que je sais que voilà, je vais avoir une fourchette de 10 minutes pour aller me mettre au lit et repartir pour ben, le temps de sommeil qui va rester. Parce que ce que je ne veux pas, c'est hypothéquer le sommeil que je pourrais encore réussir à avoir avant que mon réveil ne sonne. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique-là de stratégie, en fait. Et je reviens sur ce que disait Amélie, c'est que je ne suis pas né avec les tops, mais quand on transpire, quand on infuse, quand on mange, quand on pense, quand on respire top, en fait, vous optimisez tout. Ce qui fait que votre perception change sur tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est quand même beaucoup plus agréable. J'imagine que tu disais pas d'écran, justement pour ne pas gêner la fenêtre suivante qui arrive. C'est ça. Sauf si j'ai un job, j'ai fait ça avec une journaliste qui faisait les matinales à 6h du matin. Et ben elle, justement, c'était au réveil. On s'expose au maximum aux écrans. Donc, on lui a acheté un appareil de luminothérapie pour que justement on stoppe la sécrétion de mélatonine et qu'elle ait cet effet booster parce qu'elle, à 6 heures, elle devait être pleine balle à l'écran pour mener sa matinale. Ok, merci. Une question de Sabine, est-ce que l'un ou l'autre, vous avez des petits trucs pour gérer ses peurs? As-tu des peurs, Amélie? Ouais, forcément, j'en ai des peurs. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est toujours le revers de la médaille. Donc, de l'autre côté, qui dit peur, dit besoin. Et donc, finalement, quand j'ai peur, j'essaie de me poser la question, quels sont mes besoins? Oui, besoin d'être rassuré, mais finalement, qu'est-ce qui m'amène à... Voilà, je vais creuser autour de ma peur. Qu'est-ce qui m'amène à aller avoir, ça peut être des peurs, entre la peur de l'araignée ou la peur de la mort, ça peut aller très loin, la peur pour ses enfants, et revenir à la question de, bon, bah, qu'est-ce qui m'appartient, sur quoi je peux influer, et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Je vais avoir peur pour mes enfants, mais bah, leur vie ne m'appartient pas, en fait. Enfin, leur vie ne m'appartient pas, et je vais faire au maximum pour qu'elles puissent à la fois trouver l'équilibre entre se grandir, s'épanouir, tester, et puis... être dans un minimum de prévention, mais de me dire, ben voilà, c'est de toute façon, j'ai choisi d'avoir des enfants, donc j'ai choisi de vivre avec cette angoisse entre guillemets en permanence. Donc comment je la manage. Donc à la fois identifier quels sont mes besoins, d'où ça vient, ou en tout cas qu'est-ce que ça me fait, plutôt que d'où ça vient, c'est surtout qu'est-ce que ça me fait. Et on revient, peut-être que André peut compléter dessus, mais on revient sur voilà, la connaissance de soi. Tiens, la peur, c'est une émotion. Et qu'est-ce qu'elle elle vient forcément me dire quelque chose de moi. Moi, j'ai une anecdote du coup que je vais vous donner parce que je l'utilisais avec mes stagiaires. Lorsque j'étais formateur commando, on avait 2 sites sur lesquels on travaillait. Donc, à Mont-Louis dans les Pyrénées, à côté de Font-Romeu, et l'autre, pour toute la partie montagne, altitude. Et la deuxième partie se faisait à Collioure, donc à côté de Perpignan, pour toute la partie nautique. Et moi, une de mes peurs, c'est quand on est balancé au large.
au large, large, et qu'on doit sauter du bateau. Et puis, ben, là, c'est démerdez-vous pendant un petit moment et on attend. Sauf que quand c'est vous, l'instructeur, qui avez cette peur-là, et que c'est vous qui encadrez les stagiaires, le stagiaire, il vous voit comme un demi-dieu. Vous, il ne peut rien vous arriver, vous avez peur de rien, vous êtes un surhomme. Sauf que vous, vous savez à peu près où vous êtes. Et vous vous dites, bon, c'est bien que lui, il a cette perception-là de moi, mais moi, là, je sens bien que je me perçois différemment. Alors, on fait un petit rapport pour ajuster tout ça. Et en fait, c'est l'exemple que je leur donnais, eux, quand ils étaient dans d'autres configurations, notamment en sur des épreuves où ils étaient en altitude. Ils avaient peur du vide. Ils disaient, oui, mais vous avez pas peur, vous craignez rien, etc. Et je leur disais, mais attends, tu te rappelles ce qu'on a fait la semaine dernière? Et je dis, moi, je peux te dire que... Mais sauf que j'utilise quoi? Je reviens sur le côté rationnel. C'est là, j'ai une émotion, j'ai une peur. Cette peur, c'est pourquoi? Tu ne sais pas nager, tu vas te noyer? Ben, si, tu sais nager. Donc, ça, c'est complètement stupide. Donc, elle vient d'où? Ben, elle vient de je ne sais pas. Bon, écoute, pour l'instant, on s'en fout. Donc, respire, tranquille, tu flottes, tu sais nager, occupe-toi de tes mecs. Et donc, on revient sur où est-ce que je place mon attention? Mon attention, elle est sur l'action, sur ce que je dois faire maintenant. Le reste, on verra après, parce que rester avec ma peur, ça va, pour l'instant, je ne vois pas ce que ça peut m'amener de bon, mis à part d'y réfléchir et de me dire, c'est aussi une énergie, la peur. Donc, merci d'être là. Et j'en fais quoi? Ah ben voilà, c'est quand je suis dans le système de j'en fais quoi, du coup, je ne la subis plus. Ok, merci. Une question de Thierry. Comment vos techniques individuelles sont-elles transposables à une équipe? Ah ben moi je suis originaire de Bayonne, donc j'ai joué au rugby là-bas. C'est ma vie, l'équipe. Je peux pas travailler tout seul, je peux rien, presque rien faire tout seul. Donc ça se transpose très facilement parce que justement on comprend que évidemment l'équipe c'est un tout, que cette équipe-là il y a un objectif qui doit être commun, qui doit être partagé, qui doit fédérer, où on doit adhérer et que chacun doit trouver sa place là-dedans. Ça veut dire qu'on va développer aussi, quand on est dans l'interoception, l'écoute de soi, on va développer aussi toutes les capacités d'empathie qu'on va avoir par rapport aux autres, qui dans cette équipe n'ont pas forcément les mêmes objectifs, les mêmes volontés, les mêmes capacités, etc. Mais en attendant, c'est des gens qui font partie de mon équipe. Et on va aller au bout si tout le monde est à 100%. Ça ne veut pas dire que tout le monde a la même capacité et qu'on va mettre tout le monde au même niveau. Ça veut dire que tout le monde va être à 100% de son niveau. Et quand on comprend ça en tant qu'individu, et qu'on est vraiment intégré et qu'on conçoit l'équipe de cette façon-là, ben en général, ça se passe plutôt bien, déjà dans la communication où on régule très facilement les conflits et les aspirations de chacun. Ok, alors une toute dernière question avant de terminer et de découvrir le petit bonus que Nathalie nous annoncera tout à l'heure. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Excusez-moi. Oui, y a-t-il des contre-indications à utiliser les TOP? Et on terminera là-dessus. Contre-indications. Alors, je vais déjà faire une première réponse à l'envers. C'est-à-dire que dans l'armée, depuis maintenant à peu près 7-8 ans, les médecins prescrivent des séances de TOP en accompagnement ou pas de médicaments, en fonction de la personne. Et ça permet de rebondir que dans la contre-indication qui est liée au TOP, c'est-à-dire qu'on ne traite pas des gens, on n'a pas des patients lorsqu'on fait des TOP. C'est une méthode qui est pédagogique, qui rend les gens autonomes et qui peut être un très bon complément en accord avec le médecin, le psychologue, etc. lorsque le cas se pose, parce que chacun est un intervenant autour de la personne qui elle, a une problématique et qu'on va pouvoir venir, justement, on va redonner de l'autonomie à la personne, on va lui redonner un sentiment de compétence, de reprendre sa vie en main, et non plus d'être dépendant des thérapeutes que je vais rencontrer. Donc voilà, c'est chacun a son rôle à remplir, à une partie, donc ça c'est la première, on n'est pas sur l'axe de pathologie. La deuxième, ça va être l'absence d'objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous pouvez être avec toutes les techniques que vous voulez. Si vous ne savez pas où vous allez, ça ne sert à rien que je t'apprenne à marcher, à courir ou à sauter, parce que pour l'instant, tu ne sais pas pourquoi tu vas te déplacer. Donc, quand tu as un objectif, on peut commencer à travailler, il est top. Et la troisième chose, c'est le volontariat. On est toujours sur cette base-là.
y compris dans le système militaire, où tous les gens qui viennent se former aux techniques d'optimisation du potentiel, c'est des gens qui font la démarche de venir chercher cette formation-là. Ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le cursus et tout le monde doit passer par là. Pourquoi ? Parce que si je n'adhère pas, si je ne prends pas ça en main, mais pour moi, que je n'ai pas compris le sens de cette méthode-là, qui pour moi elle n'est pas une formation, c'est vraiment une philosophie de vie, du coup, ça ne sera pas intégré et tu vas te servir des outils n'importe comment et il n'y aura, voilà, il n'y aura pas de plus-value à ce que tu perdes du temps à te former et à croire que ça va te servir si au final, ce n'est pas toi qui fais la démarche. Ok, merci. Alors, je vais peut-être, Nathalie, te repasser la parole pour partager ce qui sera envoyé et peut-être aussi, il y a une dernière, on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions parce que l'heure tourne, mais il y a Marie-Marc qui nous demande si, pour approfondir les tops, il y a une bibliographie à recommander. Donc, voilà, je te repasse la parole, Nathalie. Donc, je vais donner une partie de réponse à cette question puisque Amélie et André, déjà, on vous remercie infiniment d'avoir partagé ces expériences, d'avoir partagé tout ce que vous nous avez dit ce soir. Merci aussi d'avoir préparé, et je vais vous mettre tout de suite dans le menu conversé, des articles, des conseils de lecture, des sites à consulter. Donc, je vous l'envoie tout de suite. Normalement, ça devrait marcher. Soit vous le copiez-collez, sinon on vous renverra aussi un mail en reprenant tous ces éléments qui liste aussi le test d'Epworth dans lequel vous pouvez faire un test pour savoir si vous dormez assez ou pas. Il y a l'application RespireLax, il y a le site de BNSV, etc., etc. Le blog d'André à consulter sur lequel vous verrez aussi d'autres exemples de top dont on n'a pas pu parler ce soir. Voilà, donc notre conférence s'achève ici. Je vais laisser la parole à Gabriel pour le mot de la fin. Encore merci Amélie, merci André pour cette soirée. Merci Nathalie, merci Karine, merci à tous pour votre participation. Merci à André et Amélie pour leurs apports, pour leurs témoignages. Personnellement, si je devais retenir une seule chose, c'est... le conseil de traverser son objectif, parce que je trouve que ça s'applique à la fois à notre vie professionnelle, à notre vie personnelle, au sport. Dans mon cas, je fais du sport en compétition, donc je me dis que peut-être que je vais commencer à gagner des matchs si je commence à visualiser l'objectif, que ce soit un doudou qui m'attend ou la famille derrière. Donc je retiens cette notion de traverser son objectif. J'ai également beaucoup aimé la façon que vous avez tous les deux d'avoir chacun sa partie d'apport. André, d'un côté, a été très factuel, très théorique, a mis des mots sur des concepts. Et Amélie, elle, a un vécu. Et finalement, ce n'est qu'après après coup qu'elle a su interpréter. Qu'elle a eu les clés et qu'elle a su rapprocher ce vécu de tout ce que nous a expliqué André. Et en ce sens, j'ai trouvé vos deux interventions très complémentaires et très enrichissantes. J'espère que vous partagez, tous ceux qui nous suivaient ce soir, un peu ce ressenti. On ne peut que vous inviter à continuer à nous suivre. Et puis à attendre avec impatience nos prochaines conférences. Voilà, merci à tous. Bonne journée pour ceux qui la commencent, bonne soirée pour les autres et j'espère à très vite. Merci. Juste donc un dernier mot pour vous donner la date de la prochaine conférence qui est déjà fixée, qui sera le 9 mars, où nous parlerons de développement durable avec un biologiste et chercheur, Olivier Amand. Voilà l'avant-première pour vous ce soir. Merci à tous et au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.